C'est la rentrée. C'est la rentrée, finis crabes et crustacés. C'est la rentrée, le sable des poches est tombé. C'est la rentrée, la classe est rangée. C'est la rentrée, l'école n'a pas déménagé. Voici venu le temps d'y retourner. Cric, crac, dans mon sac, un petit jus sucré, un dessin chiffonné, un mouchoir en papier et surtout un doudou tout doux qui sent bon la maison. Dans l'école de mes rêves, les enfants dans la lune ont un ami Pierrot qui leur prête sa plume pour écrire aux oiseaux. Dans l'école de mes rêves, il y a des murs colorés et un ballon soleil qui joue à chat perché au bout d'une ficelle. Dans l'école de mes rêves, il y a le cœur d'une maîtresse qui efface un chagrin et des bonbons tendresse plein les poches des copains. La rentrée de poème. C'est un petit mot tout propre et tout beau qui ne veut ni école ni sac sur le dos. Il préfère les flaques d'eau et les feuilles qui volent. Il préfère les étoiles et les bateaux à voile. Pourtant les enfants l'aiment, le petit poème. Alors tout propre et tout beau, son sac sur le dos, il court sur les cahiers des petits écoliers. La rentrée. Vite, vite, il faut se presser, le réveil a déjà sonné. Un peu raplapla, toilette de chat. Petit déjeuner, très vite avalé. Cheveux en pétard, un peu dans le brouillard. Je file comme l'éclair, les chaussettes à l'envers. Vite, vite, il faut se presser, c'est la rentrée. Les crayons de couleur. Mais à quoi jouent les crayons pendant les récréations? Le rouge dessine une souris, le vert un soleil, le bleu dessine un radis, le gris une groseille. Le noir qui n'a pas d'idée fait des gros pâtés. Voilà le jeu des crayons pendant les récréations. Pour la rentrée, je voulais dans mon cartable emporter mes châteaux de sable, mon cerf-volant, des coquillages et le portique de la plage. Maman m'a dit « ça, ce n'est pas permis, et puis tout ça, ça ne rentre pas ». Alors j'ai pris un beau stylo pour le goûter, quelques gâteaux et que des choses raisonnables, plus 3 petits grains de sable. Septembre. En septembre, sapristi, les vacances sont finies. Pour les grands et les petits, qui peint, qui coupe et qui colle, qui danse la farandole, qui chante ré mi fa sol, c'est ma maîtresse d'école. Trois escargots. J'ai rencontré trois escargots qui s'en allaient cartable au dos, et dans le pré trois limaçons qui disaient par cœur leurs leçons. Puis dans un champ quatre lézards qui écrivaient un long devoir. Où peut se trouver leur école? Au milieu des avoines folles? Et leur maître est-il ce corbeau que je vois dessiner là-haut de belles lettres au tableau? Chouette, c'est la rentrée! Chouette, c'est la rentrée, on va bien s'amuser. Zut, c'est la rentrée, plus de grasse matinée. Chouette, c'est la rentrée, la maîtresse est bronzée. Zut, c'est la rentrée, bientôt fini l'été. Chouette, c'est la rentrée, j'ai de nouveaux souliers. Zut, c'est la rentrée, j'ai un peu mal aux pieds.